Salut à tous, c'est Lily West. Je vais vous enseigner une danse qui s'appelle Another Country de Bruno Morel. Débutante, 32 temps, 4 murs et deux fois le même tag quand même, sur une musique de Rod Stewart qui s'appelle aussi Another Country. Première section, on marche pied droit, on marche pied gauche et ensuite on va faire un kick ball change. Kick ball change. Si je le détaille, un coup de pied avec le pied droit, on ramène le pied droit à côté de pied gauche en mettant le poids du corps sur le pied droit et on revient le poids du corps sur le pied gauche. Donc kick, ball, change. Et on refait la même chose, on marche pied droit, on marche pied gauche et encore un kick, ball, change. On refait ça. 6, 7, 8, pied droit, pied gauche, kick, ball, change, encore droite, gauche, kick, ball, change. On refait cette première section avec les comptes. 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Pour la section suivante, on commence avec un step turn. Un pas en avant, pied droit. On met bien le poids du corps sur le pied droit. Ensuite, on va pivoter vers la gauche d'un demi-tour et on remet le poids du corps sur le pied gauche. Donc ça, ça nous fait déjà deux temps. Un pas en avant, pied droit, premier temps. Demi-tour et on remet le poids du corps sur le pied gauche sur le deuxième temps. Triple step en avant droit, comme un pas chassé. Droite, gauche, droite. Rock step en avant. On fait un pas en avant, pied gauche et on revient ensuite sur le pied droit en arrière. Et un coaster step. En arrière, pied gauche. On ramène le pied droit côté de pied gauche et en avant, pied gauche. Et ça, on le fait sur 7 et 8. On refait cette section-là. Un step turn, un pas en avant pied droit, demi-tour, on remet le poids du corps sur le pied gauche, triple step, droite, gauche, droite, rock step, en avant pied gauche et on revient sur le pied droit, et coaster step, gauche, droite, gauche. Encore. 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. On refait ces deux premières sections. 6, 7, 8, marche, marche, kick, ball, change, marche, marche, kick, ball, change, step, demi-tour, triple step, rock, step et coaster, step. On a le poids du cœur sur le pied gauche et on va partir en diagonale avant-droite. On fait un pas avec le pied droit, en diagonale avant-droite, on bloque le pied gauche derrière le pied droit et encore un pas en diagonale avant-droite, on bloque et en diagonale avant-droite. Au niveau des comptes, au début ce sera lent et après deux fois plus rapide. Donc 1, 2 on bloque, 3 et 4. Encore. 6, 7, 8, diagonale, derrière, droite, gauche, droite. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté, diagonale avant gauche, on bloque derrière, et diagonale, on bloque diagonale. Encore ? Du début de cette section, juste cette section-là en entier, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. On reprend tout ça du début. 6, 7, 8. 8, marche, marche, kick, ball, change, marche, marche, kick, ball, change, step, demi-tour, triple step, rock, step, coaster, step, diagonale, lock, droite, diagonale, lock, gauche. Dernière section, on fait un cross rock, pied droit devant le pied gauche. Donc on va croiser le pied droit devant le pied gauche en mettant le poids du corps sur le pied droit et on revient ensuite sur le pied gauche. Donc ça nous donne déjà deux temps, 1, et 2, on revient. 3 et 4, triple step droit à droite, droite, gauche, droite. Même chose, cross rock, pied gauche devant le pied droit. On revient sur le pied droit. Mais là, on va faire un triple step avec un quart de tour à gauche, un pas à gauche, on ramène, et c'est là qu'on fait notre quart de tour et pied gauche en avant. Donc notre dernier triple step, ça nous donne gauche, droite, quart. On refait cette section-là. Cross rock, pied droit devant le pied gauche, on revient sur le pied gauche, triple step, cross rock, on revient, et triple quart. Encore. 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. On reprend tout ça du début, le premier mur en entier. 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Et comme le premier mur est terminé, une fois qu'on a fait notre quart de tour, on est prêt à reprendre du début. Marche, marche et kick ball change. Maintenant, on va essayer d'enchaîner les 4 murs sans s'arrêter. Donc une fois qu'on a terminé notre premier mur, on continue sur le deuxième mur. Troisième mur, il sera vers 6h et quatrième mur vers 9h. 6,
7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. On reprend. Marche, marche, kick ball change, marche, marche, kick ball change, step demi-tour, triple step, rock, step, coaster step, diagonale, lock, droite, diagonale, lock, gauche, cross, rock, side triple, cross, rock, side triple quart, et marche, marche, kick ball change, marche, marche, kick ball change, step demi-tour, triple step, rock, step, coaster step, diagonale, lock, droite, diagonale, lock, gauche, cross, rock, triple step, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, et on est prêt à reprendre. Alors, on a deux petits tags, deux fois en fait la même chose. La première fois qu'on va trouver le tag, on sera vers 6 heures, ça sera après le deuxième mur. Après le deuxième mur, on le termine vers 6 heures en faisant notre triple step quart de tour, et on fait notre tag. C'est un rock step en avant pied droit. On revient sur le pied gauche en arrière, encore rock step en arrière, pied droit, on revient en avant sur le pied gauche. Donc ça s'appelle un rocking chair, rock step avant droit, on revient en arrière, rock step arrière droit, on revient en avant. Sur 4 temps, 1, 2, 3, 4. Et sur 5, 6, 7, 8, on fait 2 step turns, chacun un demi-tour, donc on va faire un tour complet. Un pas en avant, pied droit, demi-tour, on remet bien le poids du corps sur le pied gauche, et encore un pas en avant, pied droit, demi-tour, et on remet le poids du corps sur le pied gauche. Une fois qu'on a fait notre tag de 8 temps, on peut reprendre la danse du début, marche, marche, et kickball change. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner le deuxième mur qui commence à 3 heures. Une fois qu'il est terminé, on l'enchaîne avec le tag, et on reprend sur le mur suivant. On essaye. 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et le tag, rock, step, step demi-tour, marche, marche, et kick ball change, etc. Et on continue. On continue encore deux murs, et une fois qu'on a terminé notre quatrième mur, on se retrouve à midi et on refait exactement le même tag. On a fait notre triple step quart de tour pour terminer la danse, rocking chair, le step demi-tour deux fois, et on reprend la danse du début. Ce sont les deux seules particularités. On est donc prêt à danser la chorégraphie en musique. Cliquez sur le premier lien dans la description et on se retrouve dans la vidéo suivante.